presque la magie. Un don des dieux, façonneur de monde. Ou un dangereux pouvoir, auquel jamais mortel n'aurait dû accéder. Le bouleversement remit tout en question, y compris l'étude de la magie. Dans son sillage émergèrent de nouvelles théories, qui tranchaient radicalement avec les anciennes. En cette époque, avant l'avènement des royaumes de Palédra et de la Grande Arcane, la majeure partie des terres d'Iranise était encore inexplorée. Un monde gorgé de mystères. Parmi ces mystères figuraient les îles brisées. Certains y voyaient les vestiges d'un ancien continent, déchiqueté au cours d'une grande guerre entre les dieux. D'autres soutenaient que ces îles étaient descendues des étoiles sur quelques vaisseaux célestes dont la vitesse excessive les avait disloquées. Dans tous les cas, une chose était sûre. Les îles brisées renfermaient sans l'ombre d'un doute un pouvoir brut et indompté. De toute évidence, une visite s'imposait pour celui qui cherchait des réponses sur l'essence réelle de la magie. Ou plutôt, pour celle qui les cherchait. Thank you.
Geneviève avait trouvé ses réponses. Elle avait prouvé que ses théories étaient viables. Une nouvelle philosophie de la magie était née. Les années suivantes, la magie de l'unité supplanta les anciens usages. Au lieu de raisonner en éléments, mages et érudits parlaient dorénavant d'ordre, de vie, de chaos et de nature. Quant à la dernière école, on dit que Geneviève avait perdu le grimoire de la magie de la mort, qu'il était tombé par-dessus bord au retour des îles brisées. Ce qu'on ne sait que trop peu, c'est que Geneviève elle-même avait lesté l'ouvrage et l'avait confié à la mer. Les paroles de Ferlone avaient fini par l'atteindre. Qu'est-ce que la magie? Une manne et un fléau. Nul mortel n'était censé en connaître tous les secrets. Pour citer Ferlone, l'âme humaine ne peut en assimiler autant. De la femme impétueuse qui avait entrepris ce voyage, seule revint une coquille à garde. À l'image des îles brisées, Geneviève n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ces îles maudites l'avaient dépouillée de sa santé mentale et de son humanité. Tel est en effet le prix à payer pour qui convoite le pouvoir des anciens.